Ouais, elle aime bien cette machine. Je sais pas ce que c'est. Et voilà, prête à partir de Castro Nuño. On n'a même pas visité, on avait envie de flemmarder. Dimanche, ça nous a fait du bien. Bon, Cassie, il faut descendre, mon petit chat. On prend la route, là. Allez. Donc on arrive par un portail, si tu as l'application PVRD, tu tapes ton code, le portail s'ouvre. Si tu ne l'as pas, tu tapes sur l'interphone, bah, tapez doucement quand même, hein. Et on t'ouvre le portail, tu rentres tranquille. Et à ta droite, tu vois, il y a un petit portail pour si tu veux aller te promener à pied sans sortir ta maison à roulettes. Donc voilà où nous sommes. Là, au moins, tu as toutes les informations pour retrouver sur Google. Donc, Camping Car Park Nature, c'est nouveau en Espagne. J'ai discuté avec le propriétaire de cette aire. Donc, il y en a 5 à peu près dans le nord de l'Espagne. C'est un peu l'état d'esprit de Camping Car Park en France. Donc, on arrive, on sait qu'on a tous les services. Mais je vais te montrer qu'ici, on a quand même plus. Donc, simple, efficace, donc vidange. Là, tu as l'eau propre avec un tuyau que tu peux brancher facilement. Et là, derrière, voilà, tu as même un évier pour te laver les mains. Et caissette. Comme je te dis, simple, efficace, bien pratique. Si je me souviens bien, il y a 50 emplacements. C'est tout beau, tout neuf. Donc les arbres sont tout petits, me parle pas d'ombre.
C'est pas la peine, tu vois ce que je veux dire. Eh oui, ils n'ont pas poussé. Par contre, le propriétaire m'a dit qu'il allait mettre des bâches, hein, comme ils font beaucoup, Espagne et Portugal. Hein. Et là, le bâtiment en contrebas que tu vois, c'est la piscine municipale. Elle va ouvrir là. Et une vue vraiment très belle. Ah bah écoute, tu vois, je filme pile au bon moment pour te faire voir le train. Hein, je ne l'ai pas du tout entendu cette nuit. Je ne sais pas s'il passe. Alors le train, tu arrives? J'entends siffler le train, mais est-ce que tu arrives? C'est sympa de klaxonner. Eh ben le voilà. Allez, on reprend. Donc, notre paysage, il continue. Alors là, des oliviers, il y en a. Ça y est. Et tu vois la végétation beaucoup plus sèche. Donc là, il y a un van avec un couple d'anglais avec qui j'ai bien discuté. Ça, c'est Oscar, à Jacotte. Je vais te faire voir les sanitaires. Les arbres plantés sont jeunes, mais regarde. Une pomme et encore d'autres là. Attends. Fais-toi voir, fais coucou. Eh ben, c'est que t'es heureux si tu fais des fruits. Donc voilà le bâtiment. Ici, tu as un bâtiment avec lave-linge et un sèche-linge, un micro-ondes. Il y a une machine sur la gauche avec quelques boissons, quelques bricoles à grignoter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ouais, c'est tout. Ensuite, là, c'est privé. Là, tu as deux douches qui sont bien faciles d'accès, pratiques. J'ouvre pas là parce que je crois qu'il y a du monde. Ensuite, tu as les toilettes pour hommes et les toilettes pour femmes, avec douche d'ailleurs pour personnes handicapées. Les douches à l'eau froide sont gratuites. Tu peux utiliser autant que tu veux. Donc. Et si tu veux une douche chaude, c'est 1 euro les 5 minutes. Tiens, je vais te faire un gros plan sur les tarifs. Si ça t'intéresse, donc voilà les tarifs. Voilà, le tableau explicatif, tranquille. Bon, je l'ai fait tranquille, j'étais déjà rentrée. Donc, si tu veux avoir des renseignements, tu télécharges l'application PVRD. Et tu l'as dans toutes les langues. Les douches, ben, comme je t'ai dit, simple, efficace. Donc, un lavabo, ici, tu as une prise. T'as ses chemins si tu veux. Porte coulissante. De quoi poser tes affaires. Il y a aussi des crochets sur la gauche, à l'intérieur. La machine. Comme je t'ai dit, il y a eu 1 euro 5 minutes d'eau chaude. Voilà. Un crochet en haut. Et ta douche. Très bien, moi je trouve ça très bien. En tout cas, j'y reviendrai. Bon, ben voilà, Cassie, elle a fait connaissance de partout. Ça va, ça te plaît, Cassie? Ça a l'air, hein, c'est parti se balader. Donc là, ben voilà. On a pour laver le linge à la main, évier, des tables installé, mise à disposition. Comme
comme je te dis, c'est simple, mais très très efficace, très agréable. Ça y est, on y va. J'ai rendu la bonbonne Repsol espagnole. Voilà, puisque au Portugal, il faut notre adaptateur. Quand on parle de l'Europe, ne parlez pas de gaz surtout. Allez, cette fois-ci, je vais passer Badajoz. Donc voilà. Au Portugal. Oh, puis d'un seul coup, alors là, le pays se ressent, puisque alors, d'un seul coup, la route est d'excellente qualité. Waouh. Bon, et bien, je continue. On va se faire une étape à Portel. En tout cas, où nous étions cette nuit, je vais vraiment y retourner en remontant parce que j'ai beaucoup aimé cette aire de camping-car. Et bien voilà, nos premiers kilomètres au Portugal. Apprécier.
temps, c'est la route. Mais c'est pas désagréable. Bon, moi j'apprécie pas beaucoup l'autoroute parce que je m'ennuie. Il n'y a que la route et puis c'est tout. Mais bon, après, pour aller rapidement, c'est quand même bien pratique. Pour information, quand même, l'autopire, pour l'instant, bien sûr, c'était gratuit. J'ai pas mis de restrictions sur mon GPS. Donc éventuellement il y aura une partie payante. Mais je ne crois pas. Bon, de toute façon je ne râlerai pas parce que ça permet quand même d'aller plus vite. Alors là ça y est, des oliviers de partout. Allez, il nous reste 128 km. Ça y est, ça fait un petit moment que je roule. Pas de contrôle, donc je confirme, hein, pas de test. Et là, je viens de prendre un ticket pour l'autoroute. Ouais, donc je vais continuer sur l'autoroute payante. Ça me permettra, comme je t'ai dit, d'aller plus vite. Ouais. Nos portes calmes en dehors de l'autoroute, ça c'est quand même tout de suite mieux. Ah, au fait, je sais pas si tu le sais, mais au Portugal on a 1 heure de décalage, donc ici on a 1 heure de moins. Ah, je suis super contente de revenir au Portugal. Ça fait que j'aime. Fatigué, t'as raison. Oh non. Non, mais on t'aperçoit, c'est tout, promis. Donc là, nous sommes à Portel. Ça fait du bien de s'arrêter. Donc nous sommes sur une aire gratuite que propose la municipalité. Là, il y a un Portugais, ben, là, il y a nous deux. Hein. Il y a l'essentiel, ça fait l'affaire. Là, tu vois, vidange, et puis caissette et eau. C'est impeccable. On est à côté, on est juste à côté des pompiers, poubelle à disposition. Là, en plus, c'est pas désagréable du tout d'avoir des arbres à l'ombre. Même si nos maisons à roulettes sont en plein soleil, c'est pas grave. On va pas râler, c'est gratuit, c'est propre. Ça fait l'affaire. N'est-ce pas, Jacotte, pour une nuit? Très bien. Ouais, hein. Ouais. De toute façon, on repart demain matin, donc c'est bon. Ça fera l'affaire. Ciao, ciao.